La force athlétique, je l'ai connue à une époque, il y a 28 ans déjà. Et à travers aussi le sport chez les handicapés, parce que j'ai fait le développé couché chez eux. Et pendant des années, quand j'ai vu que pour moi, personnellement, il n'y avait pas de réelle intégration, je me suis penché chez les valides. J'ai démarré dans la force athlétique, je n'ai jamais ressenti, personnel, un refus des handicapés. J'ai toujours ressenti de la part des valides en général, ils nous ont toujours acceptés. Et c'est ça que j'admire dans la force athlétique. Est-ce que parce que c'est le muscle, ils savent qu'est-ce que c'est l'handicap, parce qu'ils s'entraînent, ils savent qu'est-ce que c'est s'entraîner un biceps, quand quelqu'un lui manque un biceps. Je me suis toujours considéré intégré. Sauf toujours les mauvaises langues, à partir du moment qu'on est premier, il y a toujours une excuse. Oui, soit il est shooté, ou soit oui, mais il est handicapé, il a avantage au poids de corps. Enfin, ça, c'est faux, c'est pas une question d'avantage de poids de corps. Hein. On aime souffrir. Quand on est sous une barre, on souffre, on souffre, on souffre, parce qu'on sait qu'au bout, on va réussir quelque chose. Avant, j'aimais bien faire des championnats pour les petites médailles, comme tout jeune. Ensuite, faire des championnats de France pour avoir un titre de champion de France. Faire les championnats du monde pour avoir un titre de champion du monde. Après, est revenu avoir un record du monde, être le meilleur. Quand je suis à l'entraînement, j'ai une barre à 200, que je sois un champion du monde ou un championnat départemental ou un championnat régional, j'en ai rien à foutre. Où je trouve le plaisir, c'est au moment où j'ai les 200 et je vais l'affronter cette barre. Comme quelqu'un, il a un taureau en face, il dit il faut que je la fasse cette barre. Et cette sensation au fond de soi-même, pousser la barre, et quand je la réussis, je suis heureux. Je suis comme l'air, je suis libre et je me sens bien plus léger. De la force, ou quelqu'un qui regarde ça un peu de l'extérieur, il doit se dire mais pourquoi pousser toujours plus lourd? À quel but donner autant d'énergie pour ça? C'est la force pure, à l'état pur. On a une barre, on descend, on remonte. On peut, on ne peut pas. Il y en avait qui me disaient, quand j'étais en état de transe, j'avais mon aura qui sortait de moi. Il paraît que j'avais un arc de lumière qui m'entourait. C'était l'énergie, enfin. J'étais vraiment obsédé par ça, quoi. Vraiment obsédé. Je me suis tiré de boulot parce qu'on me donnait pas mon jour de congé le lundi, quoi, pour faire ma séance lourde. Je cherchais pas obligatoirement à prendre de la force, mais je me suis aperçu que plus je prenais de la force, plus je prenais de la vitalité. Je me sens quelqu'un, je me sens bien, je me sens... je viens pas faire de la force, ça va pas. Je me sens pas bien. J'ai besoin de ça, pour vivre à la limite. Thank you.
190 kilos, c'est l'objectif du jour. Je suis en train de faire du soulevé de terre, qui est le troisième mouvement en compétition de force. C'est ce mouvement qui termine les compétitions, et en général, c'est celui qui décide de la victoire ou de la défaite. Je savais qu'il allait le sculpter. C'est la guerre, hein. C'est le premier, c'est la première place. L'objectif, c'est la première place. La deuxième place, elle est déjà moins intéressante. La troisième, beaucoup moins. Quant à la quatrième, elle n'existe pas. Elle ne doit pas exister. Dans la tête, c'est l'objectif premier, c'est la première place. C'est payé combien, la première place? La première place, c'est payé rien du tout. C'est payé une poignée de main. Quand tout va bien, une coupe et une médaille. Et si tout va mal, une médaille. Et... c'est tout, c'est tout. C'est un sport purement amateur. Ils sont tous salariés. Tous les athlètes, les athlètes de plus haut niveau qu'on a à l'heure actuelle, je pense à Cyril Marais d'Auxerre, il a un métier, il est soudeur, je crois. Donc il va travailler dans la journée et il s'entraîne le soir. Et puis quand il part dans les championnats internationaux, eh bien, il prend des jours sur ses vacances. Il est effrayé quand même. La fédération lui paye son transport, le couchage et la nourriture pendant ces championnats. Mais sinon, on ne lui donne rien du tout. Pas le vêtement. On lui donne un survêtement. Il faut se faire connaître dans la force. Il faut avoir un titre, il faut se faire connaître. Et à ce moment-là, si vous êtes médiatique, oui, à ce moment-là, la force peut amener quelque chose. Puisque quand je suis passé à plusieurs émissions télévisées, et bien alors qu'il n'y avait que quelques secondes de passage télévision, ça a amené dans la semaine qui suivait des inscriptions en pagaille. Donc je vais m'entraîner chez De Faria. Au départ, bon, c'était une salle, comme toutes les salles qui existent, hein, de plus ou moins fitness, d'entretien, etc. Et comme je faisais de la compétition, ça m'a permis quand même de m'entraîner. Et tout en m'entraînant, les gens me regardaient. Et à ce moment-là, j'ai commencé à inscrire sur l'enseigne powerlifting, force athlétique, mon préféré. Et j'ai commencé à former des gens. On est arrivé à une année à avoir 30 athlètes qui tiraient en force athlétique. Quand on pose la barre, vous devez avoir une trajectoire rectiligne. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai à peu près le même espace. Ça, c'est important dans la force. Minimiser les efforts. Aïe. Elle est haute, hein, Philippe. Bien tendu, hein. Passe pas bien, t'as les jambes. Allez ! Un des succès de la force athlétique, c'est ce côté foire, ce côté souleveur de poids, ce côté souleveur de barre. Et les gens cherchent toujours à voir la plus grosse barre du championnat. Ça, bien sûr, oui, c'est un... Vous savez, du soulevé de terre, on en fait en France depuis, je dirais, la nuit des temps. Hein. Enfin, la nuit des temps. Dans l'Antiquité, le fameux essieu d'Apollon, il fallait le soulever. C'était du soulevé de terre. Vraiment de l'amateurisme à 100% comme les hommes de foire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien derrière.
c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir de se réaliser à travers une charge de levée. Prouver qu'on est fort. L'aspect force a de tout temps existé et dans les sociétés primitives, ça a été même privilégié. Les êtres les plus forts étaient vénérés. Mais en fait, c'est quelque chose qui viscéralement est en l'homme. Nous sommes ni plus ni moins que des animaux, évolués intellectuellement, mais on a cet aspect primaire en nous, ce besoin de se surpasser. Et la force est un moyen de montrer qu'on existe, de montrer qu'on peut faire quelque chose, qu'on a un corps, qu'on l'utilise. L'envie de se surpasser, l'envie de s'affirmer, malgré la taille, malgré le peu de corpulence musculaire que j'ai par rapport au bodybuilder par exemple, et puis peut-être que génétiquement à travers toute ma famille, mon père était fort des reins, etc., avec un mouvement bien spécifique, je me suis affirmé quoi. Ce mouvement consiste à lever une charge, disons décoller une charge du sol et se redresser avec. J'ai commencé à 32 ans, vraiment de la force. J'ai fait d'autres disciplines. Et puis après, j'ai cherché une discipline où je pouvais m'entraîner seul, etc. Et c'est de là que j'ai découvert la force athlétique, à l'âge de 32 ans, je dis. Bon, vous voyez, je tiens une société. Quand il y a des problèmes au niveau de la société, ça me permet d'être bien dans ma tête. Quand j'ai un stress dû à certains problèmes, je vais l'extérioriser sur les barres. Chien ! Chien ! Aucune tension, on se relâche pleinement, bon contrôle de la respiration. Ici, moi, j'interviens en tant que prof sur la musculation et sur les cours collectifs. Ça fait un certain nombre d'années, ça doit faire maintenant une vingtaine d'années que je fais ça dans différentes salles. Celle-ci, ça fait maintenant 10 ans. Moi, la première image que j'ai du muscle, c'est Steve Reeve. Et j'avais alors 11 ans. Et j'allais voir les films à l'époque, c'était les péplums qui étaient très 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 populaires. C'était donc Steve Reeve qui était l'acteur fétiche dans les péplums. Un garçon avec une musculature exceptionnelle, un physique assez étonnant. Mais je ne savais pas, j'avais 11 ans, je voyais cette image devant moi, je ne m'imaginais pas du reste que cet homme puisse exister réellement. C'était très très furtif dans ma tête, je voyais ce personnage, mais j'imaginais pas du tout comment il pouvait arriver à être musclé comme ça. C'était un extraterrestre, quoi. Et puis peu à peu, le muscle étant entré, si je puis dire, dans ma tête, j'ai voulu en savoir un tout petit peu plus. Et en avançant un petit peu en âge, aux alentours de 14 ans, j'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a amené effectivement dans une salle de musculation. Et c'était le premier contact avec les haltères où le déclic s'est fait, où j'ai compris qu'effectivement, ce monsieur que j'avais vu quelques années auparavant sur les écrans était passé par les haltères pour en arriver à ce physique-là. Donc l'objectif force s'est tout de suite déclenché. Pour moi, ça ne pouvait pas se résumer simplement à faire des répétitions à une charge donnée. Il fallait absolument s'exprimer totalement en essayant de soulever la charge la plus lourde possible. Pour moi, c'était l'effort intense, une force brutale qu'il faut dégager pour essayer de soulever une charge, quelle qu'elle soit, et en essayant, si possible, d'améliorer la performance, d'améliorer la charge, de soulever de plus en plus lourd. Et ça a été l'idée. C'était surtout l'aspect force qui m'intéressait, puisqu'au départ, j'ai occulté complètement l'aspect physique, au point de monter de 40 kg mon poids de corps pratiquement, pour pouvoir donc faire mes premières compétitions dans les catégories les plus lourdes en France, sans chercher donc l'esthétique. Ce n'était pas du tout le but. Le but, c'était d'essayer d'être le plus fort possible. La force athlétique, c'est un sport où il y a 11 catégories de poids de corps. Ça va des moins de 52 kg jusqu'au plus de 125 kg. Les moins de 52 kg, moins de 56, moins de 60, intéressent peu le public parce qu'il n'y a pas des charges extraordinaires. Arrivé dans les catégories 100, 110, 125, là le public est intéressé parce qu'on a des barres, ne serait-ce qu'au niveau français, à plus de 300 au squat et à plus de 400 au niveau international. À l'heure actuelle, je fais 59 kg à peu près. Et vous pouvez soulever ? Oh, je tire toujours sur 230, entre 230 et 240 kg.
Donc là, je suis dans une phase de préparation. Je passe sur des barres intermédiaires. Je fonctionne sur un cycle en pourcentage. Bien que je ne me sois pas fixé de réel objectif, j'ai malgré tout dans la tête une petite idée de ce que je peux faire. Et en fonction de cette petite idée, j'adapte un petit peu l'entraînement en fonction de ma vie, alors qu'effectivement, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ça, une quinzaine d'années, j'adaptais ma vie à l'entraînement, ce qui n'était pas tout à fait pareil. L'objectif premier, c'était d'arriver à l'entraînement en pleine possession des moyens et d'arriver à réaliser mes performances pour un objectif précis qui était au niveau national d'être le meilleur. Donc j'essayais autour de régenter les choses pour que ma vie professionnelle, ma vie sentimentale ne contrarie pas trop l'activité sport que j'avais à plus haut niveau à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas, je le fais un petit peu plus tranquille. Donc, je suis moins polarisé sur l'activité force que je ne pouvais l'être il y a quelques années. Vous faites de la compétition encore ? Oui. Là, dernièrement, je suis allé au championnat de France senior, puisque je voyais qu'en 60 kilos, c'est une catégorie qui m'est propre. Et je voyais que les jeunes n'avançaient pas. Je me suis dit, je vais aller les chatouiller un petit peu. Et j'ai encore fini médaille d'or, quoi. C'est un sport jeune. C'est un sport jeune, la force athlétique. Hein, sous sa forme actuelle, avec les trois mouvements, c'est un sport qui a environ une vingtaine d'années en France. Et son défaut, c'est de ressembler beaucoup... Enfin, c'est d'être un cousin très proche de l'haltérophilie. Et on reste toujours dans le giron de l'haltérophilie. Les gens qui ne sont pas trop des spécialistes nous assimilent à l'haltérophilie. Et l'haltérophilie est un sport olympique. On reste toujours dans l'ombre. Il n'y a pas de fédération en fait de force athlétique. La force athlétique se trouve au sein de la fédération française d'haltérophilie, musculation, discipline associée. Donc nous faisons partie des disciplines associées au même titre que le culturisme. Nous nous battons depuis un certain nombre d'années pour essayer de mettre en avant la force athlétique et qu'au moins dans le sigle elle apparaisse. Or, les haltérophiles systématiquement s'arrangent pour gommer toute allusion à la force athlétique ou toute allusion au culturisme. Mais qu'est-ce qui le gêne ? Ah, ce qui les gêne, c'est que y a beaucoup d'anciens haltérophiles, beaucoup de jeunes qui viennent à la force athlétique et qui vont pas vers l'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est un sport très noble, mais c'est un sport très dur. C'est un sport très technique. Souvent, les jeunes, les nouvelles générations n'ont pas la patience d'apprendre ces techniques et donc s'orientent plus naturellement vers des dérivés que sont le culturisme, que sont la force athlétique, qui sont plus facilement abordables. Le culturiste pratique dans le but d'une hypertrophie musculaire visant à se présenter sur une scène. Il y a une notation qui est donnée par un jury, un certain nombre d'arbitres qui sont là et de juges, qui jugent donc uniquement l'esthétique. Or nous sommes jugés essentiellement sur trois mouvements de force, en essayant donc de soulever le plus lourd et en totalisant la charge maximale sur les trois mouvements additionnés. En force athlétique, il n'y a pas beaucoup de technique par rapport à l'haltérophilie. Quelqu'un qui est fort naturellement, il sera quasiment toujours bon en force athlétique, alors que l'haltérophilie, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est fort mais qui n'a pas de technique, il n'aura pas des bons résultats en haltérophilie. Avant de savoir passer sous une barre, il faut des mois, parfois des années de pratique. Alors que chez nous, c'est pas du tout pareil. Chez nous, quelqu'un qui a un potentiel musculaire important, déjà, quand il arrive, très vite, il peut avoir de bons résultats en force athlétique, et donc il y a le côté ludique, le côté plaisir du sport qui est beaucoup plus développé chez nous. Allez, 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 vas-y, allez, 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 C'est pour ça que on a de plus en plus de gens qui viennent à la force et un public de plus en plus nombreux également qui s'intéresse à la force. C'est plus facilement palpable pour le public. Un squat en force ou un soulevé de terre en force qui se fait à la limite en montant millimètre par millimètre, le public a le temps de s'investir totalement là-dedans et de participer, taper dans les mains, hurler pour essayer de soutenir la tête, pour essayer de lui faire réaliser la performance. C'est tout de suite appréhendable par les gens qui sont dans le public. Ils comprennent tout de suite à quoi ils ont affaire et voient tout de suite où on veut en venir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'haltérophilie. Le matériel est sensiblement le même. Vous avez une barre
de 20 kg, avec un diamètre par contre qui est supérieur à celle de l'haltérophilie, qui est de 29 au lieu de 28. Pourquoi ? Vu les charges que nous montons, nous sommes obligés d'avoir une barre la plus raide possible. Alors qu'en haltérophilie, vous avez une barre qui doit être le plus souple possible. Pourquoi ? Pour se servir de l'accélération pour pouvoir épauler une barre. Alors que nous, c'est tout le contraire. La force, donc, est basée sur des exercices plus statiques, obligeant, pas nécessairement, mais obligeant à un travail beaucoup plus lent. Vu de l'extérieur, ça paraît effectivement très très lent. Quand on voit la réalisation d'un squat au maximum de la performance réalisable, il est évident qu'on a l'impression que la personne travaille au ralenti. Il n'en est rien, parce qu'à l'intérieur, il y a des impulsions au niveau du système neuromusculaire qui sont données, qui sont absolument invraisemblables. C'est une explosion atomique à l'intérieur du corps humain. Moment. Je suis de la sécurité. Je travaille en boîte de nuit et puis dans des cafés surtout la nuit. Je fais que de la nuit en ce moment. Ouais, il a l'air celle-là, comme ça. Il y a toujours quoi c'est fini monsieur. Entre toi très cher. C'est Nike. Force. Bah j'ai commencé à travailler la nuit. Donc j'ai eu du mal à récupérer. Donc c'est arrivé juste sur mes barres lourdes. Donc j'ai pas pu continuer quoi. Et après, dans la tête, ça m'a démotivé, donc... Après, c'était plus une contrainte qu'autre chose. J'ai arrêté un peu pendant au moins un mois, et puis après, je suis revenu, puis là, je fais muscu, quoi. Mais là, de toute façon, je peux plus rien faire, de toute façon, maintenant. France est passée, les sélections aussi, donc... Ça fait coûter de l'argent, la force ? Ah ouais, ouais, assez, ouais. Assez. Tu me diras quoi ? Bah déjà, l'équipement, c'est clair. Achète tes chaussures pour le squat, pour le soulever de terre. On se fait faire des chaussures pour le coucher, avec des grands talons. On a une combine pour chaque mouvement. Après, on a une ceinture. On a maintenant un maillot de coucher. On a les bandes pour le squat. Et si tu te fais mal, faut que tu payes tes médicaments, ton médecin, ton kiné. Moi, je paye. Personne ne me donne rien. On ne peut pas se permettre de faire à moitié l'entraînement. C'est un sport, il n'y a pas de hasard. Il faut s'entraîner dur, tout le temps, comme des professionnels. On ne gagne pas notre vie avec et on a tous un travail. Donc on fait ça après notre travail. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à être compétitif vis-à-vis de certains pays. Car nous, après le travail de faire plus de 3 heures d'entraînement, quand on a fait ces 8 heures de boulot, c'est dur d'être performant. C'est dur d'être toujours en forme. Surtout si on ne veut pas prendre de produits pour aider à être plus fort. La devise d'un athlète, un athlète qui veut être, disons, d'être propre, d'être fier de lui. Pour moi, il doit pas prendre de produits. Il doit pas prendre des anabolisants, des produits qui aident à être plus fort. S'il gagne, tant mieux pour lui avec ses produits. Mais où est le mérite ? Vous vous rappelez pourquoi vous aviez décidé d'en prendre ? Par curiosité. Je pense que je l'ai fait par curiosité. Et ça a marché ? Je peux pas dire que ça a vraiment marché. Je ne peux pas le dire, puisque pour la bonne raison, c'est que quand je faisais une cure, bon, je faisais une cure en dehors des périodes de compétition, hein, mais je faisais une cure à raison d'une posologie, j'avais pris ça dans le Vidal. Donc c'était une posologie normale. D'ailleurs, quand j'en ai parlé, vous aviez les grands médecins comme Mondelard, etc., ils m'ont ri au nez, parce que c'était donner la nourriture à un petit gamin. Bon, mais moi, je pensais que c'était déjà le haut du dopage. Et bon, je marche en dents de scie. Et quand je n'avais plus rien dans le sang, je faisais mes contrôles. Hein, quand au bout de 4 mois, je n'avais plus rien dans le sang. Et je trouvais bizarre que, bon, sur un état de colère, quand je me disputais avec quelqu'un, quand je me retrouvais en état de colère, j'arrivais à faire des barres pas possibles. Et j'ai commencé à réfléchir. Dire que si je commençais à m'entraîner dans ce sens, en m'amenant de l'émotion, je multipliais ma force, j'augmentais ma force de 20% à peu près, et je pouvais arriver à des exploits. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris une autre optique.
en travaillant avec mon psychisme. Et comment on travaille son psychisme? Il faut vivre force, se cadrer uniquement là-dessus et ne pas en démordre. Vous avez la vie à côté, mais quand vous êtes à l'entraînement, il n'y a plus que ça qui existe. Vous êtes dans un couloir. Dans un couloir ou dans un tunnel, comme vous voulez, et c'est noir. Quand vous allez sous vos barres, vous faites le vide dans votre tête. Quand vous arrivez à votre barre, vous allez créer des émotions. Vous allez projeter des images de gens que vous aimez ou de gens que vous détestez, etc. Peu importe, c'est d'amener de l'émotion qui va déclencher un phénomène d'adrénaline. Donc une accélération du rythme cardiaque avec tout ce que ça comporte. Et à ce moment-là, vous allez multiplier votre force. Le problème, c'est que quand tu es dans un état comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur technique. Tu n'as pas le droit. Parce que dès, tu as des paramètres dans ta tête, c'est fixé, tu as un triangle. Au moment où tu recules, tu as ton triangle. Si jamais tu fausses ce triangle, tes données dans ta tête ne sont plus bonnes. Hop, tu changes la vision, c'est fini. Là, tu vas t'esquinter. Ramasser en dos, tu peux ramasser en dos comme ça. C'est pas un problème, tu restes dans l'axe. Si tu décales, c'est foutu. Faut que tu sois toujours dans ton couloir. Voilà, je suis dans mon couloir, j'ai mon triangle, j'ai mon image qui est faite dans ma tête. Hein? Je sais pas comment je pourrais t'expliquer. Je vois des images triangulaires dans les films de science-fiction, etc., qui représentent une certaine force, etc., comme Delta, Gamma, etc. Bon, et ben c'est un peu ça. Dans ma tête, c'est ça. Tu as, on peut appeler ça Dieu si tu veux, en haut, hein, qui est là, qui te regarde, qui est dans l'axe. Quand tu changes de vision, il ne te voit plus. Tant que tu es dans l'axe, tu es capable de faire n'importe quoi. Alors le lundi et mercredi, je viens dans cette salle de Vincennes pour m'occuper de façon un petit peu plus particulière, plus spécifique, des gens qui font donc de la compétition de force, qui font partie de l'équipe que j'entraîne. Donc il y a un groupe ici d'une vingtaine d'unités qui travaillent à différents niveaux pour les compétitions qui nous sont proposées sur le calendrier. T'essaies d'être... Plus concurrent, plus déterminé, plus rapidement déterminé, tu vois, en essayant de, voilà, d'accélérer un petit peu le processus. Pas rester trop longtemps, tu vois, chercher à tirer la barre. Ça sert à rien en plus de s'énerver sur la barre, ça c'est de l'énergie de perdu. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Là maintenant, voilà, c'est ça. Tiens ton dos, inspire bien. Allez! Ok. Allez. Ok. Un petit peu de travail. Enfin, j'ai un certain nombre de personnes qui ont des activités un petit peu diverses, hein, qui arrivent d'un petit peu toutes les catégories socio-professionnelles. Il n'y a pas de... Comment je suis arrivée à la force athlétique? Simplement pour perdre du poids et acquérir des belles formes féminines. C'était mon premier objectif. Pourquoi dire que c'est pas féminin? Il y a tellement d'a priori sur ce sport. Oui, j'ai pris du poids. Eh ben, il faudra que je reperde du poids parce que je voudrais... Si je perds du poids, les performances, elles vont être un petit peu moins difficiles. Alors Nicole Vouillot, ici présente, ma femme en l'occurrence. J'ai commencé avec des tout petits poids de... 10 kilos. Non, même pas, Marco. Les premières haltères, non. Les premières haltères... Quelque chose d'insignifiant. Oui, c'était 250 grammes, les premières haltères. À la rigueur, elle pouvait mettre un bracelet montre, ça pouvait faire l'affaire.
Et puis tu sais, en rajoutant petit à petit, je suis arrivée à voilà, faire de la compétition. Moi, par exemple, souvent, je me suis rendu compte que physiquement, la force, je l'avais, mais c'était dans mon mental que j'étais pas assez forte. J'ai surmonté ça par une autre peur. Ça, Marco, il le sait pas. Parce que, au début, je vais dire, parce que Marco, quand j'étais dans un programme pour, par exemple, faire des sélections, des championnats de France, éventuellement avoir un podium, les barres, elles montaient, puis à un moment donné, j'avais peur parce que c'est une souffrance. Déjà, j'avais peur de la souffrance. J'avais peur de la blessure. Et donc, quand j'arrivais devant la barre, je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va me faire mal? Je savais que ça allait me faire mal. Et puis, quand les barres, elles devenaient un petit peu extrêmes, je me disais, pourvu que je me fasse pas mal au dos, par exemple. Et puis, comme j'avais Marco qui gueulait derrière, qui me disait, oui, mais la sélection, c'est tel total, faut que tu y arrives. Et la peur de me faire engueuler, elle était plus forte que la peur de la souffrance à un moment donné, tu vois. Du coup, j'oubliais la souffrance, j'oubliais la blessure et tout. Je disais, il ne faut pas que je me fasse engueuler, puis voilà. Tu vois, par une autre peur, j'ai annihilé. Et puis après, il y a le travail qui arrive, il y a le... Et après, c'est ton corps, ta tête et tout, progressivement, sans que tu t'en rendes compte, et ben, elle s'entraîne, les choses s'enregistrent. Tu souffres moins. Pour souffrir, il va falloir que tu soulèves, tu vois, plus lourd. Il y a une adaptation aussi à la douleur. Au début, 100 kilos, ça va te faire mal. Et puis après, 100 kilos, ça te fait plus mal. C'est 150 kilos qui vont te faire mal. Et donc, il avait raison de t'engueuler. Oui, il avait raison en tant qu'entraîneur, parce que mon objectif, c'était de vouloir gagner les championnats de France. Et... C'était sa méthode, lui, c'est... T'as des gens qui ont des méthodes douces, lui, il a une méthode dure. Écoute bien les ordres. Mais quand lui, il était en train de préparer quelque chose... Quelquefois, c'était difficile parce que j'arrivais pas... Parce que moi, j'avais pas la même approche de la compétition que lui. Marco, lui, c'est il faut gagner. Lui, Marco, il admettait pas de perdre. Lui, il admettait de perdre si jamais il avait donné tout le meilleur de lui-même. Mais quand il voyait qu'il n'arrivait pas à donner le meilleur de lui-même, alors là, il devenait, irascible. Et je comprenais pas cette motivation, cette rage de vin qu'il avait. Puis il aimait ça, c'était sa passion, tu vois. Alors que moi, je suis arrivée, j'ai fait de la compétition parce que je suis devenue forte malgré moi. Parce qu'au départ, je ne cherchais pas à être fort. J'ai été chercher au plus profond pour arriver à lui faire faire des barres qu'elle n'envisageait même pas, d'ailleurs. Que ça lui avait vraisemblablement... Ça ne lui effleurait même pas l'esprit. Voilà, ça lui effleurait même pas l'esprit. Non, parce que j'étais exigeant. Oui, c'est-à-dire qu'il m'engueulait bien pendant l'entraînement. Mais une fois que c'était fini et tout, qu'on se retrouvait tous les deux à la maison, c'était tout le contraire, tu vois, c'était encore plus d'affection parce qu'il devait avoir des remords. Alors, tu vois, donc il faisait plein de bisous et tout pour me consoler si j'étais... C'est vrai que c'est en partie un pur produit de l'entraînement, ça c'est indéniable, mais qu'elle avait quand même des qualités, mais qu'elle ne les exprimait pas parce que son enfance, son adolescence, son éducation ne lui avait pas permis de s'exprimer dans ce domaine-là. Donc moi, je lui donnais la possibilité de s'exprimer dans le domaine sportif. Donc je prenais en charge une autre éducation, une éducation sportive que j'essayais de pousser le plus loin possible. Ah là là, c'était terrible. C'était terrible. Ça allait très loin puisque ça allait parfois... Parce que des fois, je pleurais. Elle pleure. Disons que je ne suis pas un tendre, et c'est vrai que je demandais à ma femme quelque chose de plus que les autres. J'avais moins de patience avec elle, je ne l'ai jamais félicitée. Elle avait un entraînement très dur, moi je travaillais en équipe, donc on se voyait très peu. Quand elle me marquait des mots à l'entraînement, je lui disais « peut mieux faire ». Jamais, jamais un compliment. Quand elle me loupait une barre en compétition, c'était feu d'enfer chez moi, quoi. C'était net, mais une fois que la compétition était passée, qu'on rentrait, bon, on en parlait. Mais c'est vrai que j'étais aigri, c'est vrai. Je pense que ça a peut-être détruit quelque chose parmi l'entente conjugale. Ça, je le pense. Comme je me faisais mal moi-même, je demandais beaucoup à moi-même,
Et j'estimais que ma conjointe devait, quelque part, c'est du narcissisme un peu, me ressembler. Mais ça lui a donné une force de volonté, puisqu'elle pratique le yoga à l'heure actuelle, qui lui a permis de faire des expériences dans le yoga, de dédoublement, etc., grâce à sa volonté, qu'elle a acquis à la force. Ça, c'est né. Vous avez parlé, ça ? Oui, c'est ce qui fait un peu notre terrain de désaccord. Elle ne peut plus sentir maintenant le powerlifting, ça, c'est né. Si elle a quitté, elle le faisait pour moi, mais bon, moi, je pensais qu'elle le faisait pour elle. Ça me faisait plaisir, c'est vrai. Elle m'enroulait mes bandes et tout cela, mais ça a été un terrain de séparation. De la force parce que ou leurs copains ou leurs maris ou leurs fiancés font de la force. C'est rare des filles qui font de la force qui viennent toutes seules, hein, Marco. Ça doit sûrement exister maintenant. Parce qu'il y a des... il y a le père, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un homme, j'ai remarqué. Un élément qui... Ou le père, ou le frère, ou le copain, ou... Toujours quelqu'un qui agit comme catalyseur, quoi, qui déclenche un petit peu la personne. Mais... Ce n'est pas un zianisme aux gens vides. Ou alors c'est parce que c'est des filles qui, au départ, ont des physiques pour faire ça, ont des qualités physiques, ont des prédispositions. Sur le mont Chartres. Sur le mont Chartres, oui. 65-900. Bounès, 77,5 kg. Bon. Se prépare René, le roi. Ça marche. Ça retire pas de féminité. La féminité, on l'a en soi ou on l'a pas. Il y a des filles qui font du ping-pong et qui sont moins féminines que des filles qui soulèvent de la fonte. Donc, et je suis maman. Il y a beaucoup de mamans ici. C'est quelque chose de formidable. C'est un choix. 1, 2, 3. Allez, couloir, tendu les bras. Allez, réaction. Allez, tu as fini, continue. Que tout à l'heure. Ouais. Mieux. Et mieux que tout à l'heure. C'est pas ce que j'ai fait. T'as hésité ? J'ai fait ça avec le doigt, je fais mise. Il y a quoi ? Il y a 5000, hein. C'est pas grand chose, 5 mm. Il n'y a pas un centimètre. Hein. Et t'as vu que tu l'as fini. Ah, c'est à la poussée qui continue à la. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils sont assez fiers, finalement. Ils sont assez contents que j'arrive à pousser ces poids, cette barre aussi lourde. Ils m'encouragent, ils viennent de temps en temps me voir. Mais ils sont contents que leur mère arrive à faire ça. J'en parle pas trop à mon travail parce que je sais pas si les gens... comprendrait la motivation que je peux avoir à soulever des barres, tout bêtement. C'est pas considéré comme un sport de femme, bien souvent. Et je sais pas s'ils arriveraient à comprendre ce que je peux ressentir sous une barre. Et c'est difficile à faire passer. Je crois qu'on exprime notre existence aussi, notre existence à travers une discipline sportive, en essayant peut-être de marquer de notre empreinte la discipline, peut-être simplement au niveau de notre quartier, au niveau national, si tout va bien au niveau international.
Je pense que c'est essayer de... Ben de montrer qu'on existe, quoi, qu'on est là, et la force, c'est un support. Ça peut être la force, ça peut être une autre discipline sportive, ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le domaine artistique. Je peux chanter ça, je peux soulever cette barre, je peux courir vite, je crois que c'est depuis que l'homme est l'homme. Pourquoi ne pas avoir choisi à ce moment-là une activité un peu plus médiatisée, un peu professionnelle? Oui, ça aurait pu se faire. Mais c'est ça qui nous plaisait. Mais je crois qu'on fonctionne un petit peu bizarrement. Je crois que le côté marginal de la discipline nous intéressait davantage. C'est le fait d'être complètement marginalisé, de n'avoir aucun support médiatique, tant sur le plan écrit que sur le plan filmé, ça ne nous posait pas de réel problème. Au contraire. Au contraire, on vivait un petit peu en vase clos. Sachant pertinemment que les barques que nous allions faire, les personnes qui allaient savoir très exactement que nous avions réalisé ces performances allaient se limiter à quelques centaines de personnes. Mais en fait, c'était les personnes qui elles-mêmes pratiquaient et qui comptaient donc pour nous. Donc là, on essayait de se faire reconnaître un petit peu par le milieu dans lequel on évoluait, qui était le milieu de la force. Et donc laisser une image, laisser quelque chose dans cette discipline. Moi je les connais pas tous ces gars-là, tu les connais toi, non ? Dans mon bouson pour faire comme un sonar. La respiration de mon corps qui dégage une chaleur qui me permet de transpirer. Maintenant, j'allais courir un peu pour apporter de l'oxygène. Tout à l'heure. C'est 20 kilos de moyenne. 100 kilos. Allez, 100 kilos de moyenne. Devant. Magnésie. Allez, Jean. Allez, Jojo, ça passe. Bien droit, ensuite. Monsieur Bouchard. Allez, 100. Thank you.
les 5 grammes. J'inspirais. Bon, tu inspires, il y a un phénomène que les boxeurs font aussi, à la pesée, tu expires l'air que tu as dans ton corps. Tout ce que tu as, tu fais le ventre plein. Tu vides entièrement l'air. L'air a un certain poids quand tu inspires. T'es au poids ? Un état de survie. Et tant je m'accroche à la vie, je ne veux pas mourir, c'est ce qui m'amène, les émotions qui m'amènent mes larmes. Si tu les laisses partir, ces larmes, oui, l'énergie fuit. Par contre, si j'arrive à les contrôler, que ça perle simplement sur le dessus de la pupille, etc., hein, qu'il y ait une gouttelette à la rigueur, mais j'arrive à tout contrôler, alors là, oui. D'ailleurs, quand je deviens blême, ça y est, la voiture, elle part. Les bandes à 200. T'as vu là les bandes?
j'ai aucune sensation, j'ai rien. Là, les bandes, elles m'handicapent. Là, je peux pas. Là, je suis bloqué. J'arrive plus à contrôler mon dos. Ça m'appuie en bas. Là, ça me fait une pression monstre en bas. Je contrôle pas mon dos. J'ai fait tout mon entraînement sans rien, sans matériel. Hein. Matériel, déjà, cette merde-là, je la mets aujourd'hui. Ça me tient pas, mais ça me fait quand même un support que j'ai pas l'habitude d'avoir. À la limite, je suis mieux quand j'ai rien du tout. Quoi. Et moi-même, et que le thème est moi-même, et la scène c'est la barre, donc il faut que je fasse plaisir à ma barre, il faut que je la lève. Je lui donne une vie à la barre, elle me résiste, elle veut pas se lever, mais moi je veux qu'elle se lève, donc j'essaie de lui redonner vie en la levant. Débute à 2,60 au soulevé de terre. Et 2,60, ça va être sa première barre. Et à Marco, c'est son maxi, c'est sa troisième barre. Là, c'est le garçon torse nu là, qui a les straps à la main. Il est en train d'écouter. Tu vas voir.
Allez, mon cœur, hein. Allez, mon cœur, hein. Vas-y, mon cœur. Ça repasse, hein. 287. La peau, Daniel, hein. Tout ça, Daniel, hein. Ouais. Il sait exactement, il est drôlement fin dans sa tête et il sait ajuster le tir, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il a gagné. Monsieur Bouillon. Battu par toi.